sur lequel ça se fait pour proposer une coordination de ce départ, cette parade de voyage dimanche matin. Au hasard de votre date, bien évidemment, le long des câbles, il n'y a personne. Bienvenue à vous. Il reste encore beaucoup de place dans le même. On va aller voir le Belém. Hein. Papa, le Belém, c'est le plus gros mât européen. Oui, regarde, tu peux même faire des chiffres ici.
pétrole. Je rappelle que l'Armada 2019 à Rouen aura lieu du 6 au 16 juin 2019. Le Havre a déjà pris rendez-vous. Association dont nous parlions aussi hier, l'USST 488, le Havre 16e port US. On a parlé de l'association, de sa mission hier et on salue l'équipe présente ici également sur le village de la mer. L'association French Lines est également présente et l'on rappelle qu'il y a cette exposition toujours proposée avec l'association French Lines, l'exposition Ville flottante dans le grenier des docks. Et demain c'est une autre histoire. Aujourd'hui c'est payant 6 euros, on est d'accord? Voilà, avec l'association French Lines qui a des trésors dans 6 km de linéaire, je crois, d'archives, on le disait hier. C'est impressionnant. Alors, on continue notre petit tour d'horizon, bien compliqué, de 90 mètres de long, mais c'est dingue ça, un rêve qui pourtant deviendra bientôt réalisé et réalité, monsieur le Président, si j'ai bien compris, c'est ça? Non, pas Président, mais... Ah bah dites, on me dit Président, moi je dis Président. Le Président est en représentation en ce moment. Est-il là? Non, mais allez-y.
beaucoup à toute l'équipe. Je vous souhaite un... Thank you.
vidéo aussi. Oui. Alors j'ai trompé sur un truc parfait. Avec le feu et les voies du temps.
là. Et on a déjà fait pas mal de choses aujourd'hui. C'est un peu ce que tu voudras toi. Est-ce que tu veux qu'on te voie le programme? Thank you.
Thank you.
C'est évidemment jusqu'à dimanche matin, jusqu'à la parade des voiliers dans l'avant-port et sur le plan de mer après. Ce sera là encore un très très beau moment. Et je connais votre attachement à tous pour voir parader ces voiliers. Je suis sûr qu'on sera encore très très nombreux dimanche matin. Certes, de bonne heure, mais vous serez nombreux. Merci pour l'heure. Ah ben écoutez, alors attendez monsieur, allez-y. C'est très gentil de parler ainsi du Havre et des Havrais. Ça fait vraiment un très grand plaisir. Mais c'est surtout qu'on est ravis au Havre, dans le cadre des 500 ans de la ville, d'accueillir les grands voiles du Havre bien avant le départ de l'ensemble des équipages. Mais vous savez ce que je vais faire? Je vais vous demander d'applaudir très fort tous les organisateurs et partenaires des grandes voiles du Havre, s'il vous plaît, applaudissements.
Il y en a partout, sur tout le site, près des voiliers également. Vous allez pouvoir vous installer tout à l'heure, rester grâce à la musique cubaine, grâce à des rythmes latinos et grâce aussi à nos DJ électro. La cuisine du monde est un peu réunie ici partout.
là, c'est pour donner du jour sur la maison. Sous
Salah de Mal et les membres. Après le Portugal, c'est quasi normal. Le Brésil, le Brésil, Sisté Branco. Dimanche, mon chéri, et tous ces amours-là. Thank you.
Jolie Brise est arrivée, Marie Fernand est sortie, ils ont dansé ensemble dans la vapeur. Ça, j'ai pas vu, ça devait être super. Voilà pour ce défilé qui va se terminer derrière par la Batucada de la Brise. Sur scène, et on ouvre très nombreux, avec les membres d'équipage bien sûr, sur cette scène pour la remise des prix tout à l'heure. Ça a été... Ah, oui, mais...
Thank you.
médias de grands programmes pendant 4 jours en remerciant une nouvelle fois. Mais je vous demande d'ores et déjà, l'ensemble, s'il vous plaît, ainsi que pour tous les organisateurs, les grands programmes du Havre, tous les partenaires ici présents et réunis. On les applaudit fort, merci pour eux. Qui vous accueille jusqu'à demain soir. Et puis n'oubliez pas la parade de ces fabuleux voiliers qui nous entourent. Ce sera dimanche matin, on aura bien évidemment l'occasion de vous en reparler. Ce sera dans l'avant-port et sur le front de mer Havre. On va poursuivre maintenant la remise des prix de la Tall Ship Regatta. Voilà pour l'équipage de surprise. Récompenser le meilleur de ces jeunes.
Applaudissements pour l'ensemble de ces membres d'équipage récompensés ce soir. Sur scène. Le prix donc qui récompense l'équipage qui a le plus communiqué pendant la régate. Et toujours, comme on l'a vécu pendant la parade tout à l'heure avec la remise des prix, une ambiance formidable entre les équipages. Suite de la cérémonie de remise des prix de l'Atoll Ship Regatta, je rappelle que nous vivons en direct ici sur site. Jolie brise est de nouveau récompensée pour le Royaume-Uni, UK. Le côte plat. C'est pas ça qu'après. Normalement, c'est le. UK, Royaume-Uni, Angleterre.
c'est lui qui a été le plus rapide à rejoindre le Havre. Round 2. C'est un plaisir de signer et de souligner les quatre navires qui ont rejoint la course rendez-vous de la ville de Qatar et qui ont fait beaucoup. Voilà pour quelques-unes des embarcations qui ont couvert l'ensemble de cette ship regatta. Et qui sont reçus sur sa neige, je vous demande d'applaudir bien sûr une nouvelle fois. Voilà. Ah, il n'est pas rasé, c'est bon. From the Netherlands, off to Sherbourne. From the United Kingdom, Jolly Reeves. Premier en classe B, Jolly Reeves. One more time.
On va continuer la fête ensemble, bien sûr, avec vraiment les joueurs qui nous entourent et qui nous ont accompagné cet après-midi pour cette parade et cette remise de récompense. Un grand merci à l'ensemble des officiels qui étaient présents. Féliciter l'ensemble des organisateurs, l'ensemble des partenaires, l'ensemble des participants. En voile du Havre. Des chants de marins, vous allez voir un répertoire formidable avec Fou Maniac que l'on va. Ok, great. Vous voyez maintenant, ils sont en train de repartir et on vous rappelle que c'est un magnifique. Au programme pour cette fin de journée, cette soirée, je disais tout à l'heure, on va retrouver des chants de marins et évidemment ensuite de la musique irlandaise. Et bretonne avec le groupe En Masse, nous allons retrouver aussi du jazz funk disco avec le groupe Cass Brass Gang. Les Gabiers seront de retour à nous car nous allons faire le chant de marin. On retrouvera tout à l'heure en couvrable la capitale brésilienne. Nous reviendrons aux alentours de 20h. Romanes, Cosmos del Sol et le set de Modigi Electro Swing, Bart N. Becker avec beaucoup de surprises dedans. L'exposition Ville flottante, vous pourrez découvrir des vrais. On a une exposition à l'Aviodame à Caen qui est très intéressante.
la belle époque aux années folles. Oui, absolument. Je voulais raconter qu'on nous sommes en train de débuter aujourd'hui une campagne de mécénat participatif qui va nous permettre d'acquérir une base de données. Donc, cette plateforme de mécénat participatif, c'est sur Comeon, C-O-2-M-E-O-N. Sinon, je vous invite à aller voir sur... ...de culture, de maritime, d'environnement, de sport même dans ce village de la mer. N'oubliez pas non plus l'ensemble des partenaires qui sont importants. On les a vus tout à l'heure un petit peu dans le projeté. Voilà, on va passer cette fin de journée, cette soirée ensemble. Beaucoup de surprises encore. Bravo Blue Clipper. Congratulations. C'est monsieur... Bonsoir, les drapeaux d'Évreux sont en berne. L'ancien maire Roland Plaisance est mort ce matin. Il avait exercé... Plus beau au Havre, nous sommes sous le soleil. Le soleil qui revient progressivement sur l'ensemble de nos deux départements, même si quelques averses sont encore possibles et parfois même un deux coups de tonnerre. Demain, alternance entre nuages et éclaircies, les températures seront stationnaires conformes entre 18 et 20 degrés. Thank you.
8 fois comme petit garçon tout à l'heure. 3 8 fois. Non, 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 attends que le monsieur te l'enlève. Et ensuite, l'Angigi par le Becker. Pour le moment,